défécateurs, on défèque sur les fakes. Régulièrement, nous sommes abreuvés de statistiques, de chiffres et de graphiques. En particulier, en période d'élection, on nous sert des sondages qui sont repris par les uns ou par les autres pour appuyer leur discours. Par exemple, sur CNews il y a quelques jours, on nous a affiché cette donnée à l'écran. Pour ou contre un maintien de la France dans l'Union Européenne, contre à 33%. Alors, c'est impressionnant. Par contre, si vous n'avez pas remarqué qu'il y a un souci, eh bien, bienvenue dans ce tuto qui va vous être utile. 33 plus 77, ça fait 110%, donc il y a erreur. Alors, vous le savez, si je ne suis pas un pigeon, je fais comme le saumon. Il faut toujours remonter à la source. En allant fouiller sur le site de l'IFOP, on retrouve le sondage en question, où on s'aperçoit que la vraie valeur, c'était 23%. Je ne dis pas que ce soit une erreur intentionnelle, d'ailleurs à l'oral, ils avaient donné les bonnes valeurs, mais, comme disait Napoléon, en général, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. D'ailleurs, ce qui va être repris et qui va circuler partout, en particulier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le long discours, c'est le croquis, et ce, même si ce n'est pas un bon croquis. Voilà pourquoi, dans ce tuto, on va essayer d'être attentif aux mauvais graphiques, aux diagrammes fake, et à toutes les manières dont on peut s'y prendre pour mal nous représenter des chiffres, et éventuellement, nous manipuler un peu au passage. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais vous montrer des diagrammes, par exemple des graphiques en camembert ou en bâton, avec un souci, et vous devrez trouver ceux qui posent problème. Si vous trouvez, vous marquerez un point de camembert, sinon, bah, vous pouvez éventuellement vous flageller à coup de bâton. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. Premier graphique. Ah, tiens, c'est news. Soyez à l'affût. En date du 4 mai 2019, sur les intentions de vote pour les élections européennes. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Si c'est pas le cas, il va falloir vous réveiller. L'histogramme est faussé. Vous avez à côté de chaque barre un prolongement en noir où est inscrit le pourcentage d'intention de vote pour la liste, et il se trouve que pour la deuxième liste, qui fait 21,5%, ça donne visuellement la fausse impression que sa barre se prolonge au-delà de celle de la première liste, qui fait pourtant 23%. Alors il y a un pourcentage qui est plus court à écrire que l'autre, donc du coup ils prennent pas la même place. Bon bah si c'est juste un choix graphique, il est assez désastreux, hein, il aurait suffi d'écrire le pourcentage en noir sur fond blanc, comme le nom des candidats à gauche du diagramme, et il n'y avait pas de problème de lisibilité. En tout cas, voilà, si on regarde vite fait, on se dit, tiens, c'est la liste du parti du gouvernement qui est en tête. Un camembert pour vous, si vous l'aviez repéré. Bon, mais comme on en parlait sur Twitter, certains m'ont dit, bah, t'es de mauvaise foi, t'abuses, on voit bien que les pourcentages, ils sont représentés uniquement par les barres de couleur. Alors déjà, on voit bien, ça se discute, hein, parce que là, sur une copie d'écran, vous avez le temps de bien regarder le diagramme en détail. C'est différent d'une image qui est juste affichée quelques secondes dans un JT. Et puis, même là, désolé, mais c'est complètement trompeur. Enlevons la partie noire pour mieux nous rendre compte. C'est disproportionné. Vous avez la barre de la troisième liste qui est censée être à 15%, donc 6,5% derrière la seconde liste. Mais pourtant, visuellement, elle en est très proche. Hein, et cette barre, donc, est beaucoup trop longue. Alors, pour en avoir le cœur net, on peut les mesurer. La barre bleue fait 143 pixels pour 15%. La barre violette, 163 pixels. Ça veut dire que sur la barre violette, 1% est représenté par 7,5 pixels. Alors que sur la barre bleue, 1% est représenté par 9,5 pixels. Donc, il y a une exagération visuelle du poids de cette barre bleue. Alors, normalement, à la bonne échelle, on aurait dû voir ça. Résultat, bah, ça peut donner l'impression que cette liste est un candidat d'opposition beaucoup plus fort dans les intentions de vote qu'il ne l'est en réalité. Un second camembert à ceux qui avaient vu ce second problème. On a donc un graphique tout moisi, hein, y a rien de proportionnel, et en plus il y a des parties pris graphiques trompeurs. Alors je dis pas que ce soit voulu, c'est peut-être que du je m'en foutisme ou de l'incompétence, mais dans tous les cas, on est mal informé quand on le regarde. Et ayez bien en tête hein, qu'une représentation des chiffres, c'est une représentation. C'est le même mot qu'on utilise d'ailleurs pour une pièce de théâtre. Donc la mise en scène, les choix qu'on a fait pour vous représenter les chiffres, vous en disent autant sur les chiffres que sur celui ou celle qui vous les a représentés. L'a-t-il fait avec rigueur ou pas? Ou l'a-t-il fait comme une brêle, hein? Qu'est-ce qu'il a choisi de mettre en avant? Est-ce qu'il a choisi une représentation pertinente? Est-ce qu'il aurait pu le présenter autrement? Et du coup, est-ce qu'il a voulu bien vous informer ou pas? Alors, j'ai l'air de m'acharner sur les incompétences de CNews, mais le coût des proportions pas respectées, c'est un grand classique, hein, sur les graphiques affichés en télévision. Peut-être que les infographies sont souvent confiées à des stagiaires ou à des gens qui n'ont pas le temps de faire les choses bien, je sais pas. Mais regardez par exemple ce sondage sur BFM TV, en octobre 2017, 35% contre 13% pour le suivant, donc pas loin du triple, mais bizarrement, sur la représentation, les écarts sont très resserrés. Pareil pour les autres, hein, 8%, 2%, c'est absolument n'importe quoi. Bon, voilà le même sondage représenté à la bonne échelle. Le seul enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est bah, regarder les chiffres hein, sur ces diagrammes, ne regardez pas juste les représentations graphiques, parce qu'elles ne sont pas forcément rigoureuses, on ne peut pas s'y fier. Bon, BFM TV encore, novembre 2015, hein, regardez la barre pour le PS, qui est le parti au pouvoir à l'époque. Vu la taille du bâton, on aurait pu penser qu'il était à 29%, en fait il est à 19%.
C'est pas que sur les chaînes d'infos, hein, on a le même genre d'erreur sur le service public. Par exemple, France 2, avril 2017, intention de vote aux élections présidentielles, du grand nap. Donc, regardez toujours les chiffres, et au besoin, regardez la source, et si on ne vous les donne même pas, fuyez. Et je vous parle de la télé, mais la presse écrite n'est pas en reste. Hein. Regardez le Figaro, faut-il taxer les entreprises qui multiplient les emplois courts? Bah clairement, le graphique indique que non, à 39%. Attention, hein, je suis pas en train de vous raconter que les médias, c'est tous des pourris et des vendus, hein, les raccourcis, les amalgames et les discours manichéens, c'est pas le genre de la maison. On sait tous que la plupart des médias appartiennent à de grands groupes, et on a déjà vu des cas de censure, hein, j'en ai parlé sur cette chaîne dans un tuto précédent, mais là, c'est pas le sujet. Hein, là, on va rester factuel, on s'intéresse aux erreurs et aux biais les plus fréquents pour vous donner les moyens de les repérer, et je cherche pas à vous expliquer pourquoi un tel a fait tel ou tel graphique comme ça, j'en ai pas la moindre idée, et quand on sait pas, le mieux c'est de fermer sa gueule, hein, on n'accuse pas les gens sans preuve. Donc si vous cherchez des chaînes qui vous racontent des fables, vous en trouverez plein, ça marche bien pour elles, elles font des vues en vous racontant ce que vous avez envie d'entendre. Ici, on est là pour se creuser un peu le ciboulot et s'y retrouver au milieu de la mésinformation, pas pour en rajouter une couche supplémentaire. Allez, autre Attends, cas. Je me permets de prendre la parole. Bonjour. Et comme je suis un peu le spécialiste du fun sur la chaîne, et que j'ai tout de suite repéré que son test, là, ça allait manquer de fun, bah, je propose d'enjailler l'épisode de temps en temps en animant une cellule... Fun fact statistique. Comme ça, ça fera comme une respiration. Ok, mais alors vite fait, puis essayons de pas nous éloigner trop du sujet. Non, mais t'en fais pas, regarde, ça parle de ta chaîne. C'est suite à ton tuto numéro 1 à propos des pyramides. Bon, bah, comme le montre le graphique, les avis sont tranchés. Il y en a qui pensent que c'est Squeezie qui avait tort, d'autres qui pensent qu'au final, c'est les extraterrestres qui avaient tort, et il y en a, bah, ils savent pas dire, mais du coup, dans le doute, ils auraient préféré qu'on supprime ta vidéo. Ok, formidable, c'était vraiment indispensable. Donc, on se reconcentre, on joue pour un camembert. C'est paru dans le JDD en 2018, suite à un sondage pour mesurer la satisfaction sur les actions du Premier ministre. Qu'en dites-vous? Soyez bien attentifs à la photo. Bon, un finger in the nose, hein? Et du coup, c'est pour ça que je vous ai donné un faux indice, hein? Sinon, c'était trop facile. Oui, bah, méfiez-vous, hein, on est en mode test, là, moi je suis là pour éprouver vos capacités, donc je vais pas vous aider, hein. Donc, à part les deux ou trois qui se sont laissés distraire, vous aurez tous forcément repéré qu'on vous a représenté les 34% de satisfaits avec la même proportion que les 62% de mécontents. Donc, c'est nimp, hein. Et là encore, il n'y avait qu'en lisant les chiffres qu'on pouvait s'en apercevoir, le visuel était trompeur. Les graphes me jouent du fifre? Je m'en fous, je regarde les chiffres. Alors bon, le JDD avait fait un tweet après coup pour expliquer qu'il s'agissait d'une erreur technique. Hein, c'est vrai qu'un tableur, c'est hautement technique. Ça fait plus de 20 ans que l'usage du tableur est au programme du collège, donc on doit en déduire que soit le stagiaire du JDD est très âgé, soit il n'a pas le niveau collège. En tout cas, un camembert, si vous l'avez vu. Nouveau cas. Un graphe en air de l'équipe. Donc comme vous le voyez, ça parle de budget d'équipe de foot, donc soyez attentifs à l'âge du capitaine, et surtout pas à ce que je suis en train de vous dire. Alors, l'équipe nous a donc représenté des sommes d'argent sous forme de bulles, des bénéfices, des déficits, à la rigueur, peu importe de quoi ça parle, on voit tout de suite le problème si on regarde les chiffres. Le 10,6 de Paris est censé faire à peu près donc, la moitié du 21,4 de Lyon. Or, on voit que bah, le disque rouge, il fait beaucoup plus de deux fois la surface du vert. On pourrait presque faire tenir quatre fois le vert dans le rouge. Donc sans doute, le graphiste a-t-il dessiné ces cercles en prenant les sommes d'argent comme rayons? Or, la surface des disques se calcule en carré du rayon, hein, pierre carré, comme une pierre carrée, hein, c'est simple à retenir. Du coup, forcément, les surfaces ne sont pas à la bonne échelle, les écarts sont exagérés, ils sont démesurés, c'est le cas de le dire. Un camembert, si vous aviez trouvé. Et puisqu'on parle de camembert, hein, évidemment, tout ce qu'on a dit pour les graphiques en bâton vaut aussi pour les graphiques en secteur, qu'on appelle les camemberts. Et j'ai justement préparé un camembert et un couteau pour vous montrer ça par la pratique. Alors, regardez ce graphique de... Ah, bah tiens, c'est news. Alors, on y voit bien que plus de la moitié des gens sondés, à l'époque, ne soutenaient pas la mobilisation des fonctionnaires. Hein, le nom est en rouge, là. Visuellement, on le situerait à plus de 50%, sans doute 55%. Et pourtant, le nom est seulement à 49%. Bien qu'on l'ait cru à plus de la moitié du camembert. Eh bien... Bah, qu'est-ce... Non, bah, il est pas, on l'est cru, hein. Même pas à moitié. Tu as vérifié, du coup. Bon, bah, en tout cas, vous le savez bien, hein, les camemberts ne sont pas magiques. Il n'y a pas de génération spontanée du fromage. Donc même en admettant que le camembert est coulant, pour qu'une part de 49% dépasse la moitié du camembert, il faut bien qu'elle soit venue prendre la place d'une autre part qui a disparu. Donc là, dans le camembert de CNews, il manque 11%.
quelqu'un les a boulottés, donc le seul mystère qui est, c'est par où on peut faire passer ça quand on n'est même pas foutu de se faire des trous pour les yeux. Alors, je voulais parler de ces news, mais il y a aussi des fromages pas frais chez BFM TV, hein, ça arrive régulièrement, des proportions pas respectées, des légendes inversées. Celui-là, par exemple, le 23 août 2018, un sondage sur l'effet de la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement sur votre situation personnelle. En vert, ceux qui pensent que ça l'améliore, en rouge, ceux qui pensent que ça la dégrade. C'est déjà pas terrible pour le vert, mais en vrai, il est carrément surreprésenté. C'est encore pire quand on le dessine en vraies proportions. Et quand ce sont des organismes qui communiquent sur les chiffres qui les concernent, hein, les graphiques trompeurs vont dans le sens du message qu'ils veulent délivrer. Là, par exemple, Île-de-France Mobilité en 2017 nous expliquait qu'il n'y a qu'une part très raisonnable des transports en Île-de-France qui sont payés par les voyageurs eux-mêmes. Hein. Regardez là en bleu, c'est cette toute petite portion. Mais quand on regarde la valeur, 28%, on sait que normalement ça représente plus d'un quart. Voilà ce que ça donne en vrai. Hein. Donc sur le graphique qui a été présenté, la part payée paraît bien plus petite. Est-ce intentionnel, juste maladroit? En tout cas, c'est de la mésinformation. Alors maintenant, si on veut aller plus loin, au-delà de la question des proportions, il y a une chose essentielle que les graphiques oublient lorsqu'ils vous représentent des sondages. C'est la marge d'erreur. Si vous allez regarder dans les sources, hein, les instituts de sondage vous précisent leur méthodologie dans le rapport complet. En général, ce sont des sondages effectués auprès d'échantillons de 1000 personnes, dont la représentativité est assurée par la méthode des quotas. Mais il y a évidemment un risque que la valeur obtenue sur cet échantillon ne soit pas exactement la valeur qu'on obtiendrait en mesurant sur toute la population. Et la théorie statistique est capable de vous donner l'incertitude autour de chaque mesure. Cette incertitude, elle dépend de la taille de l'échantillon. Donc, dans le cas d'un échantillon représentatif de 1000 personnes, comme c'est en général le cas sur ces sondages, si vous avez une mesure à 10%, il y a une marge d'erreur de 1,8%. Et pour une mesure à 20%, la marge d'erreur est de 2,5%. Autrement dit, sur un sondage comme celui qu'on avait vu, bon alors en le représentant correctement avec les bonnes proportions, hein, on pourrait, et on devrait même, vous faire apparaître la marge d'erreur, parce que quand on vous dit qu'un candidat est à 21,5%, il faut intégrer que la marge d'erreur étant de 2,5%, ben ça peut très bien être en réalité 19% ou bien 24%. On a ce qu'on appelle un intervalle de confiance de 5% autour de la mesure, qui donc en réalité se situe dans cet intervalle, hein, mais pas forcément à 21,5%. Donc vous voyez venir le truc, l'écart entre les deux listes étant ici inférieur à la marge, en fait vous n'avez aucune garantie que la liste en tête le soit vraiment. Ça peut être ça, ou ça, enfin voilà. Alors si on voulait représenter les choses proprement, rigoureusement, on rajouterait à chaque fois l'intervalle de confiance au bout des graphiques. Hein, ça dans les études scientifiques qui se basent sur des résultats statistiques, bah, vous le verrez systématiquement apparaître. Mais il semble que dans les représentations graphiques pour le grand public au quotidien, cette donnée soit complètement occultée. Alors, c'est vrai que du coup, ça casserait un peu l'ambiance au niveau du storytelling qu'on peut vous faire sur ces sondages, parce que, prenez par exemple celui-là, qui représente l'évolution des intentions de vote pour les européennes, on a beau jeu de vous dire que cette semaine-là, entre les deux listes en tête, il y a eu une inversion des courbes, ou alors cette semaine-là, oh, bah, ça s'est de nouveau inversé, ou celle-ci. On vous raconte une histoire avec des rebondissements, ça nourrit la campagne, mais en fait, l'écart est largement sous la marge d'erreur, hein. Si on représente les marges d'erreur, voilà. L'écart n'est pas assez marqué pour en déduire quoi que ce soit de significatif. Alors, entre la liste qui est à 12% en dessous là, et les deux autres à 20%, là oui, là il y a une vraie indication. Mais entre les deux de tête, non. Hein. Et tout ça, on ne vous le précise pas, c'est bien dommage. En tout cas, maintenant, vous le saurez. Et tenez, tant qu'on en parle, pour aller un peu plus loin, quand vous lisez un article scientifique qui est basé sur des résultats statistiques, qui compare par exemple des mesures sur deux groupes, on vous donne en plus ce qu'on appelle la valeur P, la P-value, qui est en gros un calcul du risque d'anomalie statistique, plus elle est faible, proche de zéro, et plus les résultats sont solides. Alors c'est bon à savoir pour avoir une idée du sérieux de l'article. En général, quand la valeur P est supérieure à 0,05, on publie même pas l'article, hein, c'est qu'on a des résultats pas significatifs. Ensuite, tant qu'on est encore au-dessus des 0,01, bah ça reste peu convaincant. En général, on considère qu'il faudra d'autres études pour confirmer. Bon, c'est arbitraire, hein. Mais en dessous des 0,01, là, on commence à pouvoir discuter sérieusement. Fun fact! Puisqu'on parle d'études scientifiques, il y a un article dans Asian Journal of Andrology de 2011 qui dit que si on observe la main droite d'un homme et qu'on regarde la différence de taille entre l'index et l'annulaire, c'est le deuxième et le quatrième doigt, et bien plus il y a de différence entre les deux et plus le pénis est grand. Alors que quand les deux doigts font la même longueur, ben en moyenne le pénis est plus petit. Non mais c'est n'importe quoi, t'as écouté ce que je viens de dire? Regarde ton étude là, dans le résumé. C'est là qu'ils donnent la p-value. Ben là, elles sont pas terribles, les p-values 0,026, 0,038. C'est pas très convaincant. Non, mais attends, c'est pas là-dessus, mon fun fact. Là, voilà ma statistique.
100% des hommes qui sont seuls devant cette vidéo viennent de regarder leurs doigts dans leurs mains quand j'ai parlé de cette étude. Et pour les autres, ceux qui regardent la vidéo avec quelqu'un d'autre à côté, bon, ils étaient en train d'essayer de regarder discrètement, mais là, je viens de les griller. Ouais, de toute façon, avec les gants, on peut pas se rendre compte. Cas suivant. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Ou nous prend-on pour des jambons? Oui, la chanson maintenant, c'est pour que ça soit plus fun sans qu'on soit obligé d'intégrer des fun facts débiles. Alors, là, nous avons un communiqué de presse de la SNCF lors des grèves de 2018. Hein, vous savez, c'était un mouvement de protestation du personnel avec des grèves de 2 jours tous les 5 jours qui avait commencé en mars. Donc la SNCF publiait des communiqués lors de chaque grève, et c'était pas seulement pour informer sur le mouvement, mais surtout pour essayer de montrer qu'il s'essoufflait. Hein, puisque vous l'avez sûrement vu, ici à gauche, on a un graphe qui nous montre une chute spectaculaire de la participation entre le 13 et le 18 avril, de plus de la moitié, alors que les chiffres n'indiquent pourtant que 2,66% de baisse. Le graphique est donc biaisé, il déforme la réalité. Un camembert, si vous l'aviez trouvé. Et c'est pas juste une fois, hein, le graphe du 4 avril, c'était la même. Alors, à ce sujet, je vous propose d'écouter Dédé la Grafouille, le graphiste qui t'embrouille. Ce qui se passe ici, c'est que l'axe vertical, il commence pas à zéro. Si on mesure, on s'aperçoit qu'en fait, les barres sur le graphique, elles commencent à partir de la valeur 18,5. Vrai graphique, le voilà. 2% sur 22%, ça donne pas une baisse impressionnante, mais si vous voulez donner l'impression que ça a bien chuté, il y a moyen. On récupère uniquement la partie supérieure du graphique, en commençant bien là où ça nous arrange pour que la barre du 18 avril soit beaucoup plus courte, et on étire le graphique en hauteur en jouant sur son échelle, et voilà, au final on accentue les écarts, et ça donne l'impression que la chute est spectaculaire si on regarde pas les chiffres. De toute façon, dès que vous voyez pas les valeurs sur un axe, vous savez pas ce qu'on mesure, ni à partir de combien on mesure, donc c'est louche. C'est un procédé connu ça. Regardez l'autre point en 2015, on s'était bien éclaté, des graphiques rabotés pareil, hein, sur les pilotes d'Air France, pour montrer qu'ils étaient mieux payés, qu'ils volaient moins que dans les autres compagnies, et tout ça avec le titre, Air France, les chiffres qui parlent. Mais c'est clair, on trouve toujours des moyens pour les faire parler. Des chiffres ne disent rien. Appelle-moi, il y a moyen. Ah, tes 8% de positifs, ils font tout rikiki. Bah ton graphe en secteur, passe-le en 3D. Et tu mets tes 8% devant, avec la perspective et la bordure, ça te fera plus de vert, et ils auront l'air 2 fois plus gros. Ça te suffit pas, tu veux encore plus accentuer l'effet. Bah dis donc, y a du travail pour CNews ou quoi? Et bah regarde, tu éclates les secteurs, et voilà. Ça repousse encore plus le négatif en arrière, ça fait moins de surface rouge, et encore plus de vert. Et si au contraire tu veux donner moins de poids à la partie verte, là tu fais juste tourner ton graphe et tu la mets au fond. Il y a toujours moyen de moyenner, c'est la base en statistique. La CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie, a présenté hier ses prévisions pour les années à venir. Jean-Paul Chappelle du service économie nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. 30% en 5 ans, on n'avait jamais vu cela. C'est du jamais vu, hein. Plus 6% par an pendant 5 ans. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que ça représente une hausse de 30%. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Nous prend-on pour des jambons? L'an dernier passerait à 900 euros en 2017. Alors, y a-t-il besoin d'avoir fait Polytechnique pour se rendre compte qu'il y a un problème dans ce tableau que nous présente Jean-Paul Chappelle, éditorialiste spécialiste en économie des journaux de France 2? Eh ben non, et ceux qui l'ont trouvé gagnent un camembert, hein. 5 années d'augmentation de 6%, ça fait pas une augmentation de 30% au total, parce que les 6% de la seconde année, ils s'appliquent sur une facture qui a déjà augmenté de 6% l'année précédente. Autrement dit, c'est 6% de 106%, et ça se cumule comme ça d'année en année. Hein. Au final, si vous faites le calcul, vous aurez une augmentation de 33,82%. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique, mais quand on travaille à la télé, ça a l'air compliqué quand même. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Nous prend-on pour des jambons? Et les tarifs des autoroutes alors? À première vue, si on regarde ce graphique du Parisien vite fait, intuitivement on se dit qu'on nous a représenté les tarifs et que bon, ça va, des fois ça monte, mais des fois ça baisse aussi. Pourtant, ça doit être trompeur, parce que au péage, on a toujours eu l'impression que ça montait. Eh ben oui, la courbe est fourbe. Non, je pense qu'il faut pas dire ça, Andy, les chiffres parlent. En effet, c'est pas directement le tarif qu'on vous a représenté, ce sont les variations du tarif. Le tarif, lui, il a fait qu'augmenter, mais il y a juste des années où il a plus augmenté que d'autres. Donc, 2 camemberts pour ceux qui l'avaient repéré. Et si on voulait réellement se figurer l'évolution du tarif, on pourrait se faire une courbe toute simple, en le représentant par exemple avec un indice 100 en 2010, qu'on ferait évoluer d'année en année. En 2011, on aurait eu plus de 2,2%, donc notre indice vaudrait 102,2.
Et l'année d'après, il augmenterait de 2,5% sur... Pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Sur 102,2, hein, puisqu'on sait que c'est cumulatif, on n'est pas éditorialiste économique sur France 2, et etc., etc. Là, on obtiendrait une représentation qui est un peu plus intuitive et qui fait aussi apparaître les variations. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Ou nous prend-on pour des jambons? Alors, ce graphique de Fox News, repris par Donald Trump au cours de sa campagne pour les élections présidentielles en 2016, mais il est catastrophique pour Obama puisqu'il montre que la croissance a été beaucoup moins forte sous son administration que sous les précédentes. Bon, mais là où le bas blesse, c'est qu'on ne peut pas comparer des choux et des carottes. En l'occurrence ici, il y a quelque chose d'un peu étrange, on compare une présidence de 8 ans avec plus d'un demi-siècle où se sont succédés 11 présidences. Bon, est-ce qu'on ne chercherait pas à nous embrouiller un petit peu là? Donc, vous marquez un camembert si vous l'avez repéré. Oui, si on fait un graphique qui ne montre pas juste une partie des données, mais qui détaille l'évolution sous toutes les administrations précédentes, on se rend compte de l'entourloupe. Regardons la croissance sur la mandature de celui qui a précédé Obama, c'est-à-dire George W. Bush, qui était républicain. Alors, les présidents républicains, donc du même camp que Donald Trump, ils sont en rouge, hein, et les autres en bleu. Et on retrouve 1,6% pour George W. Bush, donc lui aussi était très loin des 3,5%. Et pareil avec le président républicain précédent, George Bush père. En revanche, pour Clinton, donc le dernier démocrate avant Obama, on trouve 3,8%, donc encore plus que les 3,5% du lissage sur un demi-siècle. Et sur la courbe, on repère bien aussi la crise des subprimes, en fait c'est juste avant l'arrivée d'Obama. Bon, tous ces faits précis n'arrangent pas du tout le discours de Fox News, qui est pro-républicain et pro-Donald Trump, et qui les noie donc dans la masse des résultats globaux sur un demi-siècle. Donc il y a de la manipulation derrière cette manière de présenter les données. Alors, le fait de s'intéresser qu'à une partie des données, ben ça c'est un grand classique, hein, évidemment. Les climato-sceptiques en sont de grands spécialistes, ils vont se concentrer sur les données de 2-3 années en particulier, pour vous dire, ben non, regarde, il n'y a pas de changement climatique, sans regarder l'évolution de la courbe entière qui, évidemment, montre l'inverse. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Ou nous prend-on pour des jambons? Bon bah ici c'est très simple, il y a un conditionnel, donc c'est même pas la peine de lire la suite, hein, un camembert pour ceux qui l'ont détecté, et pour les autres c'est pas compliqué, dès que vous voyez un conditionnel dans une info, remplacez le conditionnel par un « si ça se trouve hein. ». Là ça nous donne « manger pimenté allonge la durée de vie si ça se trouve ». Donc ça a la même valeur que « agiter les bras très vite permet de s'envoler si ça se trouve ». Il y a des conditions, c'est pas de l'information. Donc il suffit de regarder à la fin de cet article, hein, concernant l'étude d'où ça vient, on ne sait même pas si les corrélations observées sont le résultat direct de la consommation de piment, ou bien découlent simplement d'autres éléments positifs dans l'alimentation qui n'ont pas été mesurés. Bon, bah donc, on n'en sait rien. Hein. Alors ça, les médias grand public aiment bien relever des études qui peuvent faire débat, mais sans toujours savoir en expliquer les résultats. Alors du coup, on reste dans le flou. Et tout ce qui reste à faire, c'est d'aller vérifier soi-même. Tenez, regardez celui-là, il est énorme. Les psychopathes préfèrent le rap à la musique classique, selon une étude. Ok, bah, voyons cette étude. Bon, alors l'article, c'est juste une reprise d'un article du Guardian. Et en allant voir le Guardian, on apprend qu'en fait, l'équipe de l'université de New York souligne que les résultats sont préliminaires et non publiés, mais que les scientifiques sont suffisamment intrigués pour lancer une importante étude dans laquelle des milliers de personnes seront interrogées sur leurs goûts musicaux. Donc, ben, rien n'a été publié, hein, et la vraie étude, elle a même pas encore eu lieu. Donc là, c'est même plus un conditionnel dont on a besoin pour en parler ici. Il faudrait inventer un temps qui n'existe pas en conjugaison, c'est une sorte de conditionnel futur. Oui. Bref, quand on vous cite une étude, c'est bien d'essayer de remonter à la source et de voir si elle ne fait qu'observer un phénomène ou si elle cherche vraiment à en établir la cause. C'est pas pareil du tout. Parce qu'il y a un biais d'interprétation bien connu, hein, dans le domaine des statistiques, que certains appellent l'effet cigogne, et ça, c'est fallacieux, hein, falafel, ce n'est pas parce qu'on remarque que deux courbes évoluent de la même manière qu'il y a forcément un lien de cause à effet entre les deux. Autrement dit, il peut y avoir corrélation, mais pas forcément causalité. Par exemple, regardons la courbe de fréquentation du métro de Rennes sur les jours ouvrables. Et regardons à Schönbühl en Suisse, quelle est la courbe du trafic journalier moyen des jours ouvrables. On constate que toutes les deux présentent les mêmes variations. On pourrait donc en conclure que plus il y a de monde dans le métro à Rennes et plus il y a de risques de bouchons à Schönbühl, ou l'inverse, mais là ce serait manger du falafel, parce qu'on voit bien qu'entre les deux localités, il y a une énorme distance géographique, et il n'y a aucun lien possible entre les deux événements. Donc en fait, ce qui explique ces pics, c'est un troisième paramètre,
les horaires de pointe, les moments de la journée où on utilise le plus les transports pour se rendre au travail ou pour revenir à la maison. Donc, oui, ces courbes se ressemblent fortement, mais ce n'est pas l'une qui explique l'autre, elles dépendent toutes les deux d'un troisième paramètre qui ne figurait pas dans le graphique, un facteur de confusion. Ouais, tous ceux qui ont bu de l'eau ont fini par décéder. Et la corrélation, gros, c'est pas la causalité. On pourrait aussi, par exemple, compter le nombre de gens se déplaçant dans la rue avec un parapluie, faire un comparatif avec la courbe de la pluviométrie, et en déduire par corrélation que plus les gens prennent leur parapluie, et plus il va pleuvoir. Alors que la causalité est inverse, hein, évidemment. C'est parce qu'il pleut que les gens prennent leur parapluie. Ou enfin, il y a des cas où il n'y a carrément aucun rapport entre des événements qui sont mesurés, mais où, par coïncidence, les courbes se superposent bien, ce qui fait qu'on a l'impression que les événements sont liés. Par exemple ici, on peut avoir l'impression que le taux de divorce dans l'État américain du Maine est fortement lié à la consommation de margarine. Ou bien que le nombre de meurtres par vapeur ou par objet chaud est lié à l'âge de Miss Amérique. Ou encore que le nombre de gens morts emmêlés dans leurs draps dépend de la consommation de fromage par habitant. Et voilà pourquoi les camemberts sont dangereux. Tout ça, ça vient d'un site américain qui vous permet de générer ce genre de graphique avec des corrélations qui ont l'air vraies, mais qui sont absurdes. Ça montre bien que la corrélation n'est pas la causalité. Alors, je vous ai mis des liens vers plusieurs sites de ce genre, et aussi sur les vidéos du chat sceptique, parce qu'ils distinguent bien les études qui font de la corrélation et celles qui s'intéressent aux causalités. Bref, voilà, c'est une erreur assez courante de faire des liens entre des choses qui n'ont pas de rapport entre elles, et malheureusement, vous avez des manipulateurs qui font circuler de fausses déductions de ce genre, qui vont dans le sens de leur idéologie. Sur des questions importantes, par exemple de santé, sur les effets des vaccins, on va vous inventer des causalités avec l'autisme ou telle maladie, et beaucoup de gens s'y feront prendre en toute bonne foi, parce que ça a l'air logique. Mais ça ne l'est pas, c'est fallacieux, il faut vérifier derrière, il faut aller plus loin que le graphique, sinon falafel force 8. Et là, normalement, j'avais des falafels pour illustrer mon propos, mais voilà ce qu'il en reste. Mais j'ai fait exprès, Bogdan. C'est une métaphore, c'est pour illustrer que il y a ceux qui réfléchissent comme toi, et il y a les autres, pendant ce temps-là, ils gobent tout. Mmh. Hein? C'est brillant quand même. Ah, c'est pas juste je fais des vannes. Hein? Moi, je fais des métaphores éclairantes. Je suis comme un phare dans l'obscurantisme. C'est grâce à moi que tu y vois, nyctalope. Oh, mais tu pars en vrille complète, tu m'as siphonné la bouteille de chartreuse en plus ou quoi? En résumé, face à un graphique ou un tableau, on regarde les sources, on regarde les chiffres, on regarde si on nous a bien précisé toutes les données dont on a besoin, et s'il y a un graphique, on se demande pourquoi il a été présenté comme il est présenté, est-ce que c'était la manière la plus pertinente, ou est-ce que ça risque de présenter un biais. Si vous avez appliqué ces conseils de bon sens, vous avez obtenu 10 camemberts au test. Et si vous n'avez pas obtenu 10 camemberts, eh bien, le tuto vous aura sûrement été utile, partagez, mettez des pouces bleus pour augmenter les statistiques, et surtout, restez à l'affût. Bon, si ta participation à cette chaîne, maintenant, ça consiste juste à bouffer mes accessoires et faire des blagues moisies, mais va falloir... Mais c'est moi qui la rends populaire, ta chaîne. Si tu me crois pas, on n'a qu'à lancer un sondage. Un sondage, j'ai que ça à faire. Hein, t'as peur de te confronter à la réalité des chiffres, hein, du fait qu'à tort. Mais t'inquiète, moi je vais m'en occuper. T'auras rien à faire, moi je gère la fougère. Attention, parce que selon la manière dont on rédige les questions, ça peut influencer les résultats. C'est bon, tu vas pas faire ton monsieur je sais tout, hein, le tuto il est fini, là. On retourne dans la vraie vie. Le sondage, il va apparaître en haut à droite. Bah non, mais c'est bon, on n'a plus le temps, là, regarde, c'est générique. Allez, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité, chaud. Mais attends, Non, tu vois, trop tard, c'est fini. Non, mais mon sondage. Bah oui, c'est dommage. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Nous prend-on pour des jambons? Si le graphique me joue du fifre, pas de panique, je regarde les chiffres. Quand on me prend pour un pigeon, je me défends tel le saumon. Les sources aussitôt, je farfouille. Et les mythos, je m'en bats les... Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes? Le camembert sent-il bien bon? Nous prend-on pour des jambons? Pas besoin d'avoir fait Polytechnique.